Allez, c'est par ici, messieurs, dames. Ah! Ah ouais, d'accord. Battery takar kalapar. Laiwasu udam ul hahayash. Takar bal tasha daus. Et nous allons évidemment rester fort. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 9e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. On est où là? Ah oui, c'est vrai qu'on est au nord là, ça y est, on est évidemment dans le biome enneigé, le biome montagneux. Messieurs dames, ça fait une semaine que je n'ai pas joué au jeu. Donc il va comme d'habitude me falloir un petit temps de transition. Mais non mais on est où là? Ah mais on est dans un... Où c'est que j'ai spawn là? Attendez les gars. Ah mince, on est à l'avant-poste de la neige, Schwalda, d'accord, oui, non, parce qu'il me semblait qu'on était un petit peu plus haut, hein, on s'était quitté un peu plus haut. Oh, il y a une grotte ici, grotte du Mammoth roux pourfendu, pardon. Très bien, non, mais alors attendez, parce qu'à la base, on avait dit qu'on irait voir, voilà, suivez les lucioles et chassez le grand élan pour Jaima, on va faire de la chasse. Donc on va se téléporter directement ici, les amis, et on va se régaler, je l'espère, évidemment. N'oubliez pas le pouce bleu et le soleil se couche. Le soleil se couche, premier réflexe, dormir jusqu'à l'aube, évidemment, hein, parce que ça fait un petit peu peur. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez cette fin d'été, parce que mine de rien, non, l'été n'est pas encore terminé, mais vous avez vu, les jours se raccourcissent, hein. Ça y est, hein, j'ai envie de te dire, il commence à faire de nouveau nuit un petit peu plus tôt, ça commence à saouler déjà, hein, je vais pas te mentir, voilà. Puis on n'a pas non plus profité grandement de l'été, en tout cas pour ma part, je sais pas vous. Bref, voilà, c'est un petit peu le petit moment confession intime, hein, si je puis dire. Allez, Jaima, c'est par ici. Hop. Allez. C'est une mission nocturne, c'est un régal. Voilà, bon, bah maintenant qu'on s'est reposé, bah on voilà, à la préhistoire, il faut savoir se reposer quand même. Allez, dormir jusqu'au crépuscule, hein. C'est pas grave. Ah bah fallait le savoir, voilà, j'aurais pu juste laisser passer le temps, c'était juste impeccable, hein. Bon bah très bien, un épisode nocturne, tout ce que je déteste, hein, quand t'as plus l'habitude du jeu, et bien ça régale, mais c'est un bonheur, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr. Je m'appelle Mkolo et je suis très content de vous retrouver pour ce 9e épisode formidable. On va chasser de l'élan, mais en plus c'est de la connerie parce que même deux jours il y a des élans. Arrête tes conneries. Ah non, faut suivre des lucioles. Bah oui, les lucioles, c'est la nuit, évidemment. Chasser le grand élan. Ah oui, parce que c'est le grand élan pour Jaima en suivant les lucioles. Bah c'est parti, on va prendre notre élan. Allez, c'est par où? C'est par là-bas? Enfin, je pense. Oui. C'est là-bas qu'il y a des lucioles. Mais là, par contre, il va y avoir des... Non, mais là, je me chie dessus. Je vais y aller accroupi parce que... Et ils vont se calmer, les élans, là. Il y a plein d'élans. Bonjour. Bon, ils sont gentils, les élans, hein. Me semble-t-il, hein. On va quand même marcher accroupi, hein. Ouais, on va pas être débile. T'es gentil. Gentil. Voilà, c'est bon, ça confirme qu'il est gentil. J'avoue que j'ai cru qu'il allait me charger. Bon. Mais c'est pas un élan, ça, en plus, c'est un cerf. Je suis bête. Oh là 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 là. Oh là là là, mais c'est que... premier épisode réel dans la nuit, là, hein. Mine de rien, parce que... Jusqu'à présent, au début de l'aventure, on a fait des épisodes nocturnes, mais c'était scripté. Bon, là, c'est aussi un peu scripté quand même. On va pas se mentir. Ok, les lucioles, c'est toujours par ici. Je suis pas fan de l'idée, mais c'est très, 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 très joli. Des bandades. Des hachis. Ah, la débandade. On connaît bien. C'est quoi ce bruit? C'est ça? C'est ça? Ça m'a tout l'air d'être un grand élan. Tuer et dépecer le grand élan. Je peux pas appeler mon animal, hein? Ah non, c'est... Attends, mais non. J'ai pas un meilleur animal? Ah, mais il est mort, lui? Attends, je le rappelle. Voilà. Et avec ça... Attaque! Oh, j'ai trop le seum. J'ai fait nimp. Aïe! Attends, y a des gens qui m'attaquent derrière. Oh non, mais c'est quoi cette embuscade? Foutez-moi la paix!
Bon, grand élan là. Allez, tiens le coup mon loulou. Paf. Voilà. Paf. Ah bah c'est bon, il est mort. Il a fait tout le taf. Bon, ensuite vous là. Paf. Attaque. Bon les gars, va falloir arrêter de déconner. Hop là, l'esquive de la loutre. Et le dernier. Voilà. Allez, ça c'est fait messieurs dames. Eh. Bon, avec cet animal de compagnie que j'ai, c'est assez easy peasy hein. On va pas se mentir qu'il lui a croqué le fiac. C'est bien ma bête. C'est bien gentil babette. Ah c'est cool. Ça régale. Oui c'est bon ça, vrai mal alpha. Tiens je te caresse quand même. Je te caresse. Bah écoutez, il fait nuit, on va continuer cet épisode de bannière nocturne. Alors parce que regardez, le chemin des lucioles continue ici là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je voulais pas envoyer mon hibou, mais vas-y, ça fait plaisir. Ah mais il y a plusieurs grands élans. Ah non, c'est des lions des cavernes ça. Oh, c'est stylé ça. Oh, regarde-moi ça et... Oh non, c'est un ours. Pardon, c'est un ours. Je confonds un loup et un ours. Oh là, bah là il y a des loups là. Oh là là la meute. Oh là là. Oh oui, non non, mais on va pas rester ici longtemps hein. On va pas rester ici longtemps. Voilà, bah ça c'est fait, la mission de Jaima elle est contente. Ensuite, en bas, bah, à part le fort Isila à faire et le fort du grand Darwa, on n'a plus rien à faire. Par contre, en haut, on a Carouche le guerrier, donc on va pouvoir remonter en haut à nouveau. Finalement, là où on avait commencé l'épisode. Franchement, je pensais que la mission de Jaima serait plus longue. En vrai. Bon, on va du coup dormir 2 jours. Je pensais que la mission de Jaima serait beaucoup plus longue, en vrai. Tant mieux. Tant mieux, je suis très content. Comme ça, on peut avancer calmement, sereinement, c'est cool. Bon déjà qu'on est dans une dans un biome froid, hein, on va quand même se mettre 2 jours. Hein. Je cherche pas des excuses, mais après voilà, on va quand même se peler les miches. Donc voilà, je rappelle qu'on s'était attribué des points de compétence pour résister un tout petit peu plus longtemps au froid. Mais c'est pas non plus incroyable. Des ressources quotidiennes. Ah oui, c'est vrai ça. Alors attendez, parce que j'ai pas un vêtement. Voilà, vêtement d'hiver. Ah bah oui. Votre jauge de froid se videra en 10 minutes. Ça, on a le temps. Compétence, j'ai un point de compétence. Agilité avec arme. Ça on s'en fout. Allez, on va rien toucher pour le moment. On va juste se faire des points de compétence. Alors, parlons peu, parlons bien. Regardez, on a un feu de camp ici. On a un point d'interrogation là. Et on a la grotte donc du Mammaf pourfendu. C'est sur le chemin. Et on a des avant-postes, des bûchers pardon, difficiles qui nous attendent. Donc évidemment on va tous se les faire aujourd'hui. Voilà. Allez, on va monter ou descendre, c'est comme vous voulez. Direction le point d'interrogation. Et on va un petit peu explorer tout ça parce que je rappelle que tout ça, ça donne des points de compétences dont on a besoin. Des points de compétences et bah voilà, ça nous fait avancer l'XP, ça nous fait avancer la population. Ça nous fait avancer dans l'histoire tout simplement. Allez, on y va les amis. Moi je kiffe, c'est un vrai bonheur. J'attends chaque week-end avec impatience parce que c'est le week-end que je tourne, allez, 3-4 épisodes. Hein. Vous l'aurez compris. Et j'attends ce moment à chaque fois avec grande impatience et c'est que du kiff. J'espère que de votre côté c'est un plaisir partagé. Pas forcément fan de cet endroit par contre enneigé, mais bon c'est pas grave. Hein. Oh mais on est super en hauteur là. Oh là là, il y a des ours en bas là. En bas là. Allez, on va descendre par ici j'imagine. Voilà, parfait. Bon là on va résister au froid assez facilement. En fait limite faudrait être intelligent et privilégier un point de TP. Hein. Bon. Ça c'est un point de TP ça, donc c'est bon, juste à côté. Comme ça, ça permettra de se TP entre guillemets si vraiment c'est la merde quoi. Mais bon, c'est juste à côté, c'est parfait. Alors on va descendre par là. Col de l'affût du Jaista. Ça donne pas de point de compétence hein, de découvrir cet endroit il me semble hein. Non, de l'arnaque hein. De l'arnaque hein. Là il y a des collègues. Messieurs bonjour. Mais les gars, les gars, les gars, vous m'avez vu, je vous ai pas vu. Ah ok. Aïe. Voilà. Non mais j'ai pas besoin de vous les copains. Vous inquiétez pas. Je maîtrise parfaitement la situation. Hein. Bon, y'a rien à faire dans ce col. C'est juste un col. C'est juste pour faire de la moto. Oh waouh, regardez. Ils ont fait des structures. Des sortes de... ah ouais, mais non, mais j'avais même pas vu ça. Eh. Incroyable. Ah oui, c'est vrai, je peux monter sur toi. J'avais oublié. Incroyable. Ouais, ils ont fait des totems, quoi. Des totems, c'est fou. Bonjour. Pardon. Pardon. Je voulais pas vous blesser. La suite, c'est par où?
mission de grotte. On s'en fout de tes missions de grotte. Il y a un bûcher ici et bah justement la grotte là, on va y aller. J'espère juste qu'on n'aura pas froid dans la grotte. Attention. Ah, il prend des dégâts. Ah bah crotte. Faut aller là. Ok. Bah là on va mourir de froid en fait si on va dans l'eau. Tu veux pas aller dans l'eau. D'accord, t'es une vraie victime toi hein. T'es une vraie victime quand tu t'y mets hein. Hop, de l'argile. Tac, bon les plantes bleues au fond de l'océan, on a rien à péter. Oh waouh. Et sa gueule, toujours. On peut pas être tranquille sur ce jeu. Bon allez. Ah ouais, la barre de froid elle descend vite hein, quand on va dans l'eau hein. Ça me paraît cohérent, tu me diras. Mais bon, je vois pas comment faire autrement. D'accord, bah écoutez. Ok, j'imagine qu'on a... Hey. Je commence à capter... En fait, je crois que quand il y a, quand il y a ça, ça veut dire qu'on peut utiliser un grappin. C'est ma théorie. Ah, je t'ai esquivé. Vilain, va. Vilain. Alors, le feu de camp est ici, si c'est bien celui-là. Ouais, c'est bon, il a été débloqué, parfait. Donc, nouveau point de réapparition acquis. Et là, nous avons la grotte que nous allons explorer directement. Grotte du Mammaf pour fendu. Alors, on va essayer de faire un truc stylé. Non mais reste là toi. An salaguana bébé. Bom bom bim boum boum. Allez. Ça dégage la racaille. Sans déconner quoi. Allez, y a la main d'Aïcha, regardez. Bon, elle doit être dans la grotte à mon avis hein. Elle doit être dans la grotte hein. À moins qu'elle est là. Elle pourrait très bien être là, Aïcha. Mais elle n'est pas là. Oui, elle est dans la grotte. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive mon grand? Ok, bon déjà on a plus froid dans la grotte. Mais tais-toi! Déjà on a plus froid dans la grotte, c'est pas mal. Mais si tu veux mon avis, il y a des vilains à mon avis là-dedans hein. Bon, allez c'est parti pour l'exploration. Allez bon voilà, on a la main d'Aïcha juste ici. Très facile jusqu'à présent, on a connu pire comme grotte. Tiens, on va grimper par là. On va grimper par là. Et voilà, non mais là par contre c'est la grotte la plus facile du monde hein. Ah non, c'est une sortie ici. Mais non. Ah si, c'est une sortie, incroyable. Incroyable, j'ai adoré ce moment. Hop là, je saute hein, parce que je suis un petit fifou. Très bien, là y a rien. Y a encore un truc à découvrir, une peinture il me semble hein. Il me semble qu'il y a encore une peinture. Bonjour. Ici Albert reporter. Y a pas d'animaux là? C'est safe. Oh waouh. Incroyable. Alors déjà ça c'est ça se brûle. C'est pas anodin. Attends, je vais juste rallumer ma flèche. Voilà. On fait des économies quand même hein. Économie d'énergie, cherchez. Ok. Ok. Non, y a une autre main d'Aïcha à récupérer, regardez dans la map. Oh. Et bien alors. Ah ah. La voilà la main d'Aïcha. La deuxième. Putain, il y a deux mains d'Aïcha dans cette grotte, c'est phénoménal. Vous vous rendez compte quand même? Jamais vu ça. Ah, je brûle. Alors, c'est quand tu veux bébou. Hop. Ah non, c'est la peinture rupestre, j'ai encore rien compris. Bah voilà, on a tout exploré, il y a quoi dans l'eau à part de la fraîcheur? Oh. Oh regardez. Un passage secret. Et on ressort par ici. Là où j'ai déjà brûlé. Ah c'est excellent. Ah bah là j'ai pas froid. Allez, nouveau point de compétence acquis. Et puis surtout donc une grotte explorée hein, à 100%, parfait. Allez, direction le bûcher. Et puis Carouche le guerrier. Sauver un mammouth, monter sur son dos et piétiner des chasseurs Udam. Heureusement qu'on a le point de compétence pour monter sur les mammouths maintenant. Parce que si on n'avait pas, on n'aurait pas pu faire la mission. Alors comment on ressort? Ça c'est une autre bonne question. Si jamais, je ne sais pas, c'est pas grave, il suffit de trouver un grappin. Non c'est bon, c'est par là, regardez. Par ici bien sûr. Et ben voilà, le fameux grappin. Je sais pas où est la vraie sortie, mais bon, on va passer par là, c'est très bien.
Je kiffe. Tu kiffes. Point com. Allez, c'est par ici, c'est par là. Oh. Il m'a fait peur lui. Attention les gars, il y a un ennemi là-bas. Je sais pas où, mais il a failli me voir. Là. Y'a Sashta. Attaque. Oh là là. Bon allez, le temps que mon ours arrive, voilà. Hein. Bon, c'est pas un ours, je sais, mais à chaque fois je sais jamais le nom de l'animal, ça m'a saoulé. Donc je dis n'importe quoi et puis c'est tout, vous avez compris. Hein. Je me suis rendu compte de toute façon dans mes derniers épisodes, des fois je dis des bêtises sur les animaux. J'appelle un cheval, un lapin, enfin voilà quoi, hein, plein de subtilités telles. Donc voilà. Allez. Qu'est pas ça par ici? Qu'est pas ça, Kezako? On peut voir. Allez, on peut voir le bûcher d'ici là. C'est magnifique, je pourrais l'allumer de là. Mais bon, pour ça il faut d'abord tuer les ennemis. Mais je pourrais l'allumer de là. Oh, vous sentez la musique? Oh, la musique de fond. C'est typique Far Cry ça. Incroyable. J'ai envie de relancer Far Cry 3 carrément. Hein. Bon, on va peut-être pas le refaire parce que j'ai déjà fait un let's play. Ça va la comédie, mais bon. Ça donne juste envie de relancer Far Cry 3. Bûcher du buisson de Shaina. Shaina de la G-Corp. Hein. C'est quoi ça là-bas? Événement Wenjar, rien à péter. Sauvetage de... Bah si, ça fait monter la population, remarque. Allez. Ouais, faudra faire plus d'événements quand même en vrai. Sinon on va jamais s'en sortir. Oh là là. Oh là là, il y a du jaguar. Hein. Il y a du jaguar pas content. Hein. Ah, il y avait un grappin à la mince. Allez. Petit hibou, régale-nous. Oh oui, il est difficile. Hein. Mais non. Mais barre-toi. Pourquoi t'attaques? Je t'ai pas demandé d'attaquer. Bon bah d'accord. Bah il est con, il attaque tout le monde. Bon tant mieux après. Hein. Voilà, il est mort. C'est bien, bravo. Bravo. Bon toi t'es mort. Il y a des mastodontes à affronter et l'autre il fait bande à part. Il est sérieux lui. Putain. Bah tant pis. Hein. Je vais appeler mon loup blanc. Attaque. Ah bah là il veut même pas attaquer. Ah ça y est, l'attaque. Bah là il se fait fumer la gueule là. Mes animaux se font fumer la gueule. Bien pire que le grand élan. Hein. Ah. Ah ouais. Ah. Ah. Wouhou. Ok ok. Tu sais ce qu'on va faire? On va lancer un appât là-bas. D'accord. Aïe. Et on va... Attends, bouge pas. Bouge pas. On lance une bombe à piquant. Voilà. Voilà. C'est bon, il est mort. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Regardez-moi ça. Let's go. Les bombes à piquant, c'est génial. Les bombes à piquant, c'est révolutionnaire. Les bombes à piquant, les gars. Si vous jouez à Far Cry Primal, c'est le truc. C'est le truc ultime. Bon, et alors toi? Je peux pas t'attaquer là? Oh non. Ah si, let's go. Voilà. Eh hey, difficile mais il suffit d'avoir les bons moves. Difficile mais il suffit d'avoir les bons moves. Ah, je suis très content là. Je suis très content. Et où le bûcher, il est là-bas. Je suis très content. Les bombes à piquant, les gars. Vraiment là? Hop. Et hop. Ça dégage la racaille. Merci, bonsoir. Oh, j'adore. Oh, les bombes à piquant. Mais c'est... Oh. Comment affronter les mastodontes, les bombes à piquant? Non, c'est formidable. Ah, je suis content parce que c'est la première fois que j'utilise les bombes à piquant. Et je suis absolument pas déçu. Alors attends, on va en profiter quand même, pauvre dent de sabre là. Ah, ça réinitialise la barre de froid, c'est bon ça. Alors, la cage des récompenses. On transfère tout, d'accord? On reprend tout dans notre inventaire, ça va nous permettre de crafter des choses et notamment des bombes à piquant, n'est-ce pas? Donc voilà, tout, on va tout prendre. Tac. Même s'il y a des ressources un peu plus rares, c'est pas grave, ça reviendra. Voilà, c'est bon. Là, j'ai tout dans mon inventaire, d'accord? Donc là, bombe à piquant, confectionner. Ah, je peux pas emporter plus de deux. Alors attendez, je peux pas emporter plus de deux. Est-ce que je peux confectionner un truc qui nous permettrait éventuellement ceinture de chasseur?
Ah. Il faut de la peau de mammouth. Et merde. Ah, c'est pas top ça. Ça, c'est pas top. Il faut de la peau de mammouth. Et du mammouth. Ah, bah, y en a là. Bah, on est dans la zone du mammouth. C'est impeccable. On est dans la zone du mammouth. Donc, on va se faire deux mammouths. D'accord, on va se faire deux mammouths et puis c'est tout. Hein, cherchez pas plus loin. On va aller par là-bas. On va se faire deux mammouths. Et comme ça, on pourra transporter un troisième, une troisième bombe à piquant. Et c'est un vrai bonheur, tout simplement. On va se refaire des flèches. On va se refaire ça. On va se refaire de l'appât. Et puis voilà, on est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, on va se choper deux mammouths. Ce sera pas bien compliqué. On va rappeler notre loup blanc. J'ai pas capté ce que ça coûte en fait de les rappeler. Parce que j'ai l'impression que c'est gratuit. Ce qui m'étonnerait, hein, mais. Et d'ailleurs, je viens de capter un truc, regardez. Dévoile 350 pieds de terrain autour de vous dans le menu carte. C'est incroyable. Ah, réanimer bête, ça consomme de la feuille rouge, regardez. Ok. Attendez, je vais tous les réanimer. Bon, lui, on s'en fout. Allez, go. Allez, go. Bon du coup lui il me dévoile pas la map autour de moi mais c'est pas grave. Alors les mammouths. Oh bah voilà. Alors expérience sociale. Attaque. On va voir juste tout seul s'il arrive. Impressionnant. Impressionnant. J'avoue que là je m'attaque à. Ça dit quoi? Ça fait moi le malin. Et moi et là il va dispawn. Manque plus que ça tu sais. Comment je remonte? Surtout dispawn pas hein. Ça pourrait très vite m'ennuyer hein. Allez relève-toi. Il est là encore. Allez. 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 Ah. Wesh, il a one shot. Ah, ah d'accord. Ah ok. Oh il est mort. Il est mort. Oh, regardez ça. Ah ouais, c'est vraiment difficile par contre. C'est vraiment très très difficile hein. Allô. Ah voilà. C'est vraiment très 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 difficile hein. Viande x4, graisse animale, peau de mammouth x2. Oh ça donne 2. Ouais d'accord, en fait je crois que je me suis attaqué à un mammouth gigantesque. J'aurais pu m'attaquer à plus petit visiblement hein. En plus je suis sûr que la mission qu'on va faire, elle va me rapporter de la peau de mammouth, je sais pas pourquoi. Bon bah voilà. Donc du coup on va pouvoir confectionner, messieurs dames, la ceinture de chasseur. Voilà, et là il faut juste une peau de jaguar, c'est encore plus simple la... Et tu sais que la peau de jaguar c'est plus simple à avoir que la peau de mammouth. Après c'est rare mais... Donc du coup là maintenant je vais pouvoir confectionner, messieurs dames. Voilà un troisième bombe à piquant. Parce que ça c'est juste du bonheur. Et n'oubliez pas, regardez que je peux. Impossible de manger, votre santé est pleine. Mais ouais, c'est ça que j'aurais dû me mettre en fait. Pour fumer leur gueule. J'oublie à chaque fois que je peux faire ça. C'est formidable. Allez, sauver un mammouth hein. Monter sur son dos et piétiner les chasseurs, une dame. Je pense que ça va être la mission un petit peu fun. La mission un peu funny. La mission un peu bourrin. Voilà. J'entends un jaguar. J'entends un jaguar. J'entends le loup, le renard et la belette. Oh, et totem partout, c'est incroyable. Allô? J'ai l'impression qu'on veut m'attaquer là. Reste ici. Reste ici. Pourquoi t'as perdu de la santé d'ailleurs? Allez, c'est par ici, messieurs, dames. Ah! Ah ouais, d'accord. Ah! Ah ouais. Attaque! Ah, toi, je te laisserai pas partir. Ah ouais, d'accord. Ah, je peux même pas faire de flèche enflammée. Reviens! Ah, il va mourir, t'inquiète. Il est faible. Voilà! C'est pas un mammouth, ça, hein. Oh, c'est rare en plus. C'est un yak blanc. Ça tombe super bien. Hop là, allez. Ça c'est... Ah ! Eh mais non, mais là je suis dans la zone du bonheur. Je suis dans la zone du bonheur là.
Je suis dans la zone du bonheur. C'est incroyable. Il est où le jaguar? Il est où le jaguar? Il est là. C'est incroyable. Je suis, messieurs dames, dans la zone du bonheur. Et avec mon mon loup sabré, frère. Allez, le jaguar. Incroyable, parce que ça mon gars, c'est ce qui se passe, est fou. Ce qui se passe est fou. Ah ouais, bon là ça va être compliqué, il va trop loin là. Il va beaucoup trop loin. Oh là là, le mammouth. Bon, on revient, c'est pas grave. C'est pas grave, allez, on va aller Ah, c'était fou. Yes. 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 Fume-le. Faut le fumer, lui, faut le fumer. On en a besoin. Putain, il se barre comme un lâche. C'est un vrai lâche, ce truc. Ah, c'est les jaguars en vrai. Victime bolos, hein. Aïe 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 aïe. Bon, allez, reviens. C'est pas grave. Allez, on va faire la mission, les amis. Sauver un mammouth. Attends. Termine-le. Termine-le. Voilà. C'est bien, bébé. Tiens, cadeau. Ah, c'est bon ça. Et franchement, je me régale. Je me régale. Bon. La barre de froid descend quand même. Attention tout de même. Hein. C'est parti. Mammouth tué par Oudam. Crâne usé pour Arrodos. Bouy d'Oudam. On va sauver un mammouth. Alors qu'en vrai, nous-mêmes, on a tué des mammouths. Il s'agirait de pas se foutre de la gueule du monde quand même. Hein. On n'est pas mieux que les Oudam. Hein. Je dis ça, je dis rien. On vaut pas mieux. Je commence à avoir froid. Fort ennuyeux. Si je m'enflamme. Attendez, si je m'enflamme le gourdin juste. Ah, c'est bon, ça me réchauffe, regardez. Parfait. Ça me réchauffe. On va se réchauffer un peu, les amis. Et puis on pourra y aller calmement. Attendez, je vais envoyer un petit hibou quand même. Trouver le mammouth. Alors, c'est pas par. Si, c'est par là. Alors. Ah oui, non, mais c'est pas cool ça. C'est pas cool. Meurs. On touche pas au mammouth. Laissez le mammouth tranquille. Laissez le mammouth tranquille. Attaque. Hop. Pardon. Alors toi mon gars. Oh. T'es tombé sur la mauvaise personne. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, messieurs dames. Paf. Voilà. Paf. Voilà. Monsieur le mammouth. Gentil mammouth. Hop là. C'est parti. Allez, let's go. Et on défonce tout. Et on défonce tout. Let's go. On détruit tout. Paf. 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 Voilà. Ça dégage la racaille. On casse tout. Bam. 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 Y'a plus rien qui reste ici. Bam. Bam. Ça dégage. Voilà. Incroyable. Revenez là. Revenez là. Bam. Voilà. C'est beau ça. Ensuite. Ça, ça reste pas debout ça. Voilà. Dégage. Toi aussi la mastodonte. Ah ouais non, par contre les mastodontes pareil. Ça, ça régale. Voilà. Ce que je viens de faire ne sert à rien. Je suis bloqué. Dégage. Top Farco. Allez, on va passer par ici. On va prendre un peu de hauteur. Par contre j'ai froid là. Voilà. Le gourdin enflammé, ça régale. Et paf. 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 Impeccable. Toi, tu m'as mal regardé. Paf. Incroyable. C'est bientôt fini, messieurs dames. C'est un vrai bonheur.
Je pèse mes mots, c'est le meilleur Far Cry qui existe. Hein. Voilà. Hop. Voilà, toi, ça dégage. C'est juste le meilleur Far Cry qui existe. Hop là, bam, voilà, terminé. Rejoignez le troupeau à dos de mammouth. Go, 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 go. Eh, maintenant, je suis l'ami des bêtes, hein, de toute façon. Hein. Je suis l'ami des mammouths. Attends, ça, par contre, pareil. Voilà. Et ça, hop, voilà. Bonjour les mammouths. Feu de camp découvert. Salut les copains. On est ensemble, gentils. Descendez du mammouth. Pas de problème. Et voilà. Va. Va, mammouth. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Salut, toi. Bouidoudam. Ah, c'était cool. Ah, c'était... c'était vraiment une chouette mission. Mais non. Mais non. Mais je vous ai sauvé. Vous avez tué ma bête. Mais non. C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Reste ici. Mais arrêtez! Laissez-le tranquille! Qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Que se passe? Que se passe-t-il? Ça se promène là? Très bien! Ah ben je suis bien content! On est où là? On est là! Très bien! Bon, il y a plein de points d'interrogation. Léopard. Ah, c'est pas des jaguars, c'était léopard, my bad. Très bien. Bon, bah, c'est plutôt cool. Donc, là, en vrai, en termes de mission en dehors de notre village, c'est l'effort qu'il va falloir réaliser. D'accord? Mais ça, c'est plus vraiment. J'ai pas envie de dire la fin du jeu, mais vous voyez, c'est très difficile. Donc, là, on va vraiment se concentrer sur ce qui est déjà difficile. On a un avant-poste ici ainsi qu'un bûcher. Donc, on va faire dans cet ordre. Tac, tac. Ensuite, on remontera là-haut par la suite. Hein. Ça sert à rien de vouloir brûler les étapes. Et puis, j'imagine. J'imagine que là, va falloir retourner là. Il y a plein de choses. Hein. Parler à Karouche, parler à Jaima, parler à Woga et secourir le vénérable. C'est vrai que depuis le début, la légende du mammouth, toujours pas fait. Ah, il y a une main d'Aïcha à la base, j'avais même pas vu, tiens. Bon, bah voilà. Plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour les bûchers. C'est parti pour les bûchers. Viens là, mon loulou. Et là, il fait pas froid ici, c'est parfait. Ah, si, il fait froid, c'est juste que j'avais le. J'avais ma torche enflammée dans la main. Impeccable. Ah, j'ai adoré ce moment en tout cas. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez kiffé. Finalement, j'aime bien ce. Et cherche pas la merde avec tout le monde, toi. Attends, je te soigne quand même. Eh, bébé. Eh, oh. Tiens, mange. Mange, mon grand. Alors. Oh, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être en dessous. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oh non. Oh non, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon du tout. Ça a l'air de se passer en dessous. Bon. Eh bien, on va descendre. Je vois qu'il y a deux cornes. Cornes trucs là pour appeler des renforts. Terrible. Je suis censé aller où là? T'as vu, il y a un aigle. Dès qu'il y a un aigle. Mince. Dès qu'il y a un aigle, il y a un grappin. Où est l'entrée? Avant-poste de la tanière Twarcha. J'y suis? Ah yes. C'est juste là. Oh, ça craint. Ça craint de ouf. Je sais pas du tout. À quoi m'attendre? Mais ça se passe ici. Puis alors là, je peux pas envoyer de hibou là. Là, je ne peux pas envoyer de hibou. Ok. Je me chie dessus. Hein. Je me chie dessus. Oh. Bon bah voilà.
Ils savent que je suis là. Ok, j'ai cassé l'alarme. La première. Mais attaque! Ils savent pas que je suis là en vrai, non? En vrai. En vrai, ils savent pas que je suis là. Ok, alarme détruite. Et en vrai, j'ai géré là. Ils savent pas que je suis là. En vrai, ils savent pas que je suis là, les gars. Bon, maintenant, oui. Allez, meurs, mais putain! Ah, voilà. Oh, le bug. Le bug. Ah, bah voilà. Bah, et les gars, est-ce que j'ai pas géré? Oh, le hibou, il rentre quand même. En vrai, j'ai géré comme un. Comme un. Comme un cocu. J'ai une chance de cocu. Mais en vrai, ouais, les alarmes se cassent en fait avec les flèches. Et ça, c'est du vrai bonheur. Fallait essayer. C'était culotté de ma part, mais j'ai kiffé. J'ai tout simplement kiffé. Population 89, c'est pas mal, hein. Qu'en pensez-vous là? Plutôt pas mal. Cache des récompenses pour récupérer des ressources, toujours, toujours, toujours. Voilà. Des petites feuilles. Voilà, ça peut toujours servir. Très bien. Et nouveau point de compétence, bien sûr, c'est impeccable. Essaim d'abeille, c'est cool ça. Ok. Eh ben les amis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous savez quoi? On enchaîne ici avec le bûcher de la flèche. Bon, ça c'est plus facile a priori. Et vous allez voir que je vais plus galérer. Je me connais, plus c'est simple, plus c'est dur. Moi j'aime les choses simples, finalement. J'aime quand c'est dur, quoi. C'est par ici, bien sûr. Oh, il y a un élan également ici. Un grand élan. T'as vu, il n'y avait pas besoin de faire ça la nuit. Bonjour, petit élan. Oh, il a eu peur. C'est un collègue. Eh. Là. Non, c'est pas le même, en fait. Il nous attaque pas, donc il est gentil. Allez, événement, tuer et fouiller le porteur. Ah, ça j'aime ça. Vous êtes un peu beaucoup là, hein. Alors ce qu'on va faire. D'accord. Tu vas attaquer lui. Et hop. Bam. Et voilà. Ça régale. Paf. Dommage. Bon, les gars. Ils sont AFK là, les ennemis, ou. Putain, ils font pas d'efforts. Hein. Ils font pas d'efforts. Voilà, événement Wenja terminé. Très très bien. Boum boum, merci, bonsoir. Est-ce que ça donne un point de compétence, ces événements Wenja? Non, même pas. Dommage. Ça aurait été top. Il est où le gars? Ah là. Bon, ils ont l'air occupés sur autre chose, hein. On va les laisser tranquilles. Nous, on va s'occuper du bûcher, bien sûr, qui est juste au-dessus. Let's go. Hop. Le bûcher. Le soleil se couche, mais maintenant, on n'a plus peur de la nuit. Maintenant, on n'a plus peur de la nuit. Ok, on voit le bûcher d'ici. Je l'aurais bien déjà allumé, mais bon. La flèche de Yagi. Alors pareil, on va envoyer le petit hibou, c'est toujours sympa. Le petit drone des temps modernes. 1, 2, ramasse ta queue. 3. Eh bien, ils sont que 3 visiblement. C'est pas mal. Allez, t'attaques lui. Oh non, j'ai trop le seum. Oh non. Ah, je me suis chié. Je me suis... Le hibou, il s'est pris un arbre. Bon. Hop, voilà. Puis le dernier pour le plaisir. Oh, je peux même pas m'amuser. Je peux même pas m'amuser avec mon tigre. Oh, terrible. Terrible. Allez, ça régale. Ah, c'est gênant. Si, c'est bon. Parfait. Bon, bah voilà une bonne chose de faite. Là, on explore de plus en plus la map. On commence à avoir quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est vrai que la map est grande et en même temps elle est petite. C'est ça ce qui est assez rigolo, je trouve. Mais c'est pas plus mal. Mais elle a l'air. Elle est grande, mais elle a l'air petite quand même. Enfin, je sais pas trop comment dire en réalité. On va bientôt avoir atteindre la population à 100 et ça c'est cool par contre. Hop, feuille jaune du nord, on prend toujours, sympa. Petit cadavre ici, très bien, plus de place. Pas grave.
Voilà. Là, si on regarde, en fait, ouais, on se rapproche de chez nous, là. Hein. On a encore un avant-poste ici. Et sinon, on les aura tous fait dans cette zone. Après, il y a encore là à aller plus loin, évidemment. Hein, attention. Hein. Là, bûcher, difficile. Bon, et puis si on descend, ça va être hardcore, hein, par contre. Hein. Très difficile, très difficile, très difficile. Voilà. Là, là ça va être la folie, quoi. Hein. Lieu découvert, ok. En vrai, on a découvert toutes les grottes, je crois. Ah non, la grotte ici de Shista, mais on n'est pas encore descendu en bas aussi. Bon bah c'est plutôt pas mal. En vrai je serais aussi curieux de commencer à aller ici là dans ce Colorado là. Ça peut être pas mal. Je suis assez curieux d'y aller en vrai hein. Tu sais quoi limite difficile. Difficile. C'est kiff kiff. Est-ce qu'on se ferait pas peut-être cet avant-poste? Comme ça c'est fait. Venez on va se faire cet avant-poste voilà on va essayer de clean un maximum les zones là. On va se faire l'avant-poste en haut. Ouvrir cache des récompenses. Non mais je m'en fous. Je veux juste dormir. Où c'est qu'on dort? Où c'est qu'on dort? Là. Hop, jusqu'à l'aube. Allez les amis. Ah oh là là, qu'est-ce qu'on se fait plaisir. Cet épisode est dingue. Et encore une fois, je le répète, hein. Je l'ai déjà dit. Hein. Mais alors pète et répète sont sur un bateau. Non mais je veux dire, ça fait une semaine que j'ai pas joué et j'ai pas perdu la main, c'est un bonheur. Bon, je mets quelques flèches à côté, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est, vous savez, c'est mon talent. C'est mon talent inné pour vous divertir, bien sûr, parce que c'est mon rôle hein, de vous divertir. Je ne suis pas Wartech. Hein. Attendez, il y a un événement. Qui dit événement, dit population. Qui dit population, dit que c'est superbe. Il faut repousser les envahisseurs. C'est les animaux, les envahisseurs. Hop. Hop. Voilà. Impeccable. Bonne chose de faite. Hein. Allez, reviens ma bête là. Arrête d'attaquer les autres là. Pas possible. Oh là là. Bon, mais ils vont me laisser tranquille. Ça fait de l'XP, voilà, 93 population. Bon, c'est pas non plus énorme. Un peu déçu, j'avoue. Ah, et un point de compétence. Bah voilà. Donc certains événements Wenja donnent quand même des points de compétence. Attention tout de même, donc c'est très important de ne pas les négliger. Parce qu'on en a besoin de points de compétence. Hein. Caillou! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Ça fait de la musique là-haut ou quoi? C'est la fiesta boum boum? Toi tu restes là maintenant, tu fais pas de bêtises. Ah ça fait de la musique là-haut pour de vrai. Alors... Messieurs, dames. Oh, c'est encore souterrain? Non. Oh, c'est encore souterrain, vas-y, là, c'est bon. Ah là, mon hibou, il peut pas rentrer, hein. Là. Mon hibou, il peut pas rentrer. Il n'y a pas une autre entrée, mais si, regardez. Non? Attendez, il y a forcément une autre entrée. De toute façon, je vais pas rentrer par là, les gars. C'est se tirer une balle dans le pied, là. C'est se tirer une balle dans le pied. Par où je pourrais rentrer? Attendez, attendez, il y a forcément une autre entrée. Je rentre pas par là, de toute façon, c'est mort. Ah, je peux me la faire à James Bond, mais bon. Là, j'ai capté. Regardez. Mais non, c'est de là qu'on vient, je l'aurais vu. Ah oui, y a rien là. Attention! C'est du spectacle hein, que je vous propose. On est sur Flight Simulator, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Y'a pas une autre entrée, tu rigoles? Non, j'ai du mal à y croire. Bon, s'il n'y a qu'une seule alarme, ça va. Là, les gars, il y a évidemment qu'il y a une entrée ici. Mais non, elle est pas trop loin, la chouette. Allez, descends. Descends sans te faire mal. Ah, elle veut pas descendre. Oh, la coquine. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. On va se la faire à l'ancienne. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont vu encore? Bon. On voit rien du tout. Voilà. Ça au moins c'est fait. Bon allez, attaque. J'ai pas compris où c'est qu'ils l'ont vu le tigre. Hop, l'alarme, ça dégage. Normalement, ah si, il y a une deuxième alarme.
Oh là, il fait le taf, hein. Il fait le café quand même, hein. Mon petit tigre. Hein. Bah. Ok. Ah bah, je suis mort. Je suis mort. Essaim d'abeille. Oh non. Oh, j'ai trop le seum. Il m'a pas vu, c'est bon. Ça y est, ils m'ont vu. Adieu. C'est bon. Hop. Voilà. Hop. Hop. Allez. Non mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe, comment je gère la fougère. Des renforts ont été appelés. Allez ta gueule. Dommage, j'étais à ça de pas avoir de renfort. C'est pas grave. Ah ouais, non mais là ils sont des millions là. Ils sont des millions. Attaque. Oh non. Attends, essaim d'abeille. Cadeau. Ah, les essaims d'abeilles, c'est superbe. Ah par contre ils attaquent mon tigre. Pas top, hein. Ah, vous pouvez pas rentrer, bande de nuls. Voilà. Voilà, lui il est finito, regardez. Regardez-le. J'aime pas. Voilà. Merci les abeilles. Ah, c'est pas évident, hein. Mais avec mon talent. Non, en vrai, la vérité. Moi, c'est les seins qui me donnent du pouvoir. J'adore les seins. Les seins d'abeilles. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai adoré ce moment également. Plein de cadavres, évidemment. Stop. Population 99. Dommage. On était presque à 100. Bon, bah, c'est superbe. J'ai plus rien à récupérer. Wapati. Wapati. Mais oui. Mais oui. Bon bah voilà, une bonne chose de faite les amis. On avance, on s'élance. Oh, une grotte là-haut. On y va. On enchaîne. Beaucoup de secondaires. Mais on adore. On va sortir par en haut. T'as n'empêche, je me suis fait cramer comme un caca. Mais c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et que je vous offre du spectacle. En vrai, j'ai l'impression... En tout cas, comme dit, je m'amuse énormément sur ce Far Cry et je m'amuse bien plus sur celui-ci que sur d'autres. Et en vrai, j'ai l'impression de faire des trucs beaucoup plus intéressants que avant. Alors, je sais pas si c'est sur ce Far Cry qui arrive à me proposer plus ou est-ce que c'est juste moi qui arrive un peu plus à me débrouiller, je ne sais pas. Mais vous voyez, sur Far Cry 5, j'offrais moins de spectacles. Maintenant, je me demande si je relançais Far Cry 5, si maintenant je vous ferais autant de spectacles, tu vois. Parce que là, je trouve que là, il s'en passe des dingueries, tu vois. On en fait des choses. Bon, comment on fait pour monter, la bordel? Qu'est-ce que c'est que ce parcours de la mort, là? On va passer par là. Il y a peut-être un petit grappin qui traîne. Qui sait? Ouais, regarde. Il y a pas un aigle, là, quelque part, dessiné? Eh si, juste là devant nous, voilà. Impeccable. Allez, on se... On avance, on s'élance. Salut les petites chèvres. Là on est dans une zone un peu plus safe, hein, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. C'est la tempête de neige ici quand même, hein. Alors là le jeu me propose de passer par là. Donc il y a intérêt à ce que ce soit bien. Parce que là j'ai l'impression qu'on se met dans la mouise. Là. Oh, on fait de l'escalade les gars, hein. Ah là c'est... Là c'est Inoxtag, on monte l'Everest, hein. On monte l'Everest, moi je vais aller là-bas. Ok, jusqu'ici tout va bien. Oh. Merci. Tiens, on va enflammer le gourdin, ça nous réchauffera. Et là je suis censé aller... Ah ah. Ah ah. Par là on y croit. Allez, hein, je tente des trucs de ouf. Bien sûr. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, bah c'est un cul-de-sac, à moins que... C'est un cul-de-sac. Bon, bah on va passer par là-bas, c'est pas grave. J'ai compris, faut faire le tour, hop, ça dégage. Oh!
Qui veut du poulet? Voilà. Bah je veux pas faire ça moi là. Rien à péter là. Bonjour. C'est quoi en fait là? Aider les Wenja, les Oudam ont découvert un nouveau jeu, opposer des Wenja à des bêtes. Ouais bah c'est amusant. C'est le mec, je rigole. Vas-y, je monte sur toi, ce sera peut-être mieux, non? Touché. D'accord. Tu m'as arnaqué parce qu'en vérité je voulais pas te donner à manger, mais bon en vrai tu le mérites. Mais non mais ça va. Et tu veux pas pouffer mon bras aussi? Je te donne le petit doigt, tu me prends tout le bras. Montez. Hop là. Bon. Attends, j'ai fait le tour par où là? Tanière du duel choisirie. J'avais pas forcément envie d'aller là. Même tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Oh là là. Mais y'a rien à faire ici. Mais attendez. Grotte de. Ah mais y'a. Stop, stop. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais y'a rien à faire ici. Oh là. Monsieur. Monsieur, vous êtes mort. Monsieur, vous êtes tombé. C'est pas malin, hein. Faut faire attention où on met ses pieds quand même, hein. Évidemment. Bon. Allez, hein, on pousse un petit peu sur les triceps. Y'a que dalle ici. C'est même pas. C'est... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait une grotte, mais qu'ils ont pas eu le temps de faire en sorte de l'explorer, tu sais. Bizarre. Bon, allez, on se barre. Moi, je veux aller à ma grotte là. Mais le problème, c'est que je me rapproche. Je suis plus proche de cette grotte là maintenant. C'est une histoire de ouf. C'est une histoire de ouf, regardez-moi cette vue. Bon bah on va faire cette grotte là d'abord. Alors j'ai compris, on fait le tour. Bizarre. Et là c'est vraiment l'Everest, hein, qu'on est en train de monter pour le coup, hein. Alors si jamais. On va voir si j'arriverai à redescendre en vie, hein. Ok. Alors là, faut pas avoir le vertige. Oh, oh là, un wingsuit, le bonheur. Mais bon, on est à la préhistoire, je le rappelle. Bonjour. Alors déjà je vais me refaire ça. Bon, ça c'était pour le plaisir. Yalla. Paf et paf. Yes. Un bonheur quand ça fonctionne bien. Vous le voyez quand même quoi, il y a des bugs des fois, hein. Parce que vous voyez je fais rien, il se passe rien. Je suis censé attaquer mais il se passe rien, mais c'est pas grave. Allez mange. Grotte de la Yashawa. C'est parti, donc c'était pas celle-là que je voulais explorer en premier. Mais ça le fait. Bon là à mon avis il va y avoir des trucs de ouf, hein. C'était mon avis, on va se faire soulever. Peut-être pas, hein. Peut-être pas, hein. Alors, on va aller à droite. J'aime bien aller à gauche, mais là, on va aller à droite. Oh, oh. Elle a l'air gigantesque. Ah. Ah. Oh, dent de sabre contre dent de sabre. Je peux pas enflammer ma flèche. Ça y est, je peux enflammer ma flèche. Il est déjà mort. What? What? Attendez, c'est quoi ce bug? Non mais attendez, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi là? Vous l'avez vu, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé, le mec était possédé, hein, littéralement. Waouh. Le mec était possédé. Et y'a rien à faire ici, ça m'étonnerait quand même, hein. Y'a rien à... Moi je pense qu'ici c'est juste possédé. Y'a rien à faire là? D'accord. Y'a rien à faire ici. Ce qui m'étonne plutôt pas mal. Là je peux pas monter. Non. Bon, on va passer par la gauche. Très étonnant. Très 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 étonnant. Alors. Oh là 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 là. Oh. C'est du poison ou de la luciole en bas? Je crois que c'est du poison. Ça se casse ou pas ça? Ah yes. Pas mal. Pas mal. Bon. Grappin.
tu l'as vu. Moi je l'ai vu. J'arrive pas à l'atteindre, putain. Passer par là. Yes. Allez, s'il te plaît, un petit effort. Vraiment là? Eh. Bon bah je descends hein. Adieu. Adieu. Ok. Chercher. Chercher quoi? Chercher un sens à ma vie? C'est du poison ça? Ah c'est du poison, oui, attendez. C'est vrai que j'ai toujours pas fait l'antidote. J'ai toujours pas fait l'antidote anti-poison, c'est vrai ça. Donc là je peux pas aller là. Ouais. Ça va, j'ai capté, c'est bon. Alors attendez. Confection. Y a pas. Ah l'anti. Bombe à feu. Bombe. Non ça c'est les bombes. Non j'ai pas d'antidote ici. Compétence. Oh là ça va être superbe. Largage d'armes. La chouette peut larguer vos bombes à piquant. Oh, c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Par contre marquage d'animaux. Ouais. Exécution enchaînée. Ah, ah c'est ça que je veux messieurs dames. C'est pour ça que c'est. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Attendez. Soins primitifs. Régénération de santé, ressources rares, plantes rares, dépeçage. Ok, moi je veux l'exécution enchaînée, d'accord. Voilà, j'ai tout claqué pour ça, c'est un bonheur. Bon, oh là là. L'anti... Y a pas un truc anti-poison là? Deux barres de santé. Détecter machin. Stimulant ultime, anti... Ah, antidote. Ah ouais, après avoir accompli la mission en Terre Udam et avoir parlé à Syla. Ah mince. Mince, je peux pas aller là-bas? Bon, il y a que un trésor à trouver de toute façon là-bas, donc c'est pas incroyable, hein. C'est juste des ressources. Nous ce qu'on veut c'est la main d'Aïcha et peinture rupestre. Bon, je peux pas choper le grappin, là ça commence à m'énerver là. Hein. Ça commence sincèrement à m'énerver cette histoire. Parce qu'il va falloir qu'on s'en sorte. C'était même pas cette grotte que je voulais faire, donc ça m'énerve encore plus. ouais bah il faut que je monte. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Bon bah j'ai bien compris. Allumer un feu de camp. Rien à péter, mode ton feu de camp. Hop. Hop. Voilà, on fait une petite cascade évidemment. Par ici et hop. Voilà. On peut allumer le feu. Et pourquoi pas, c'est un bonheur. Et là je peux toujours pas atteindre le... Non mais c'est une plaisanterie ou quoi là? Vous rigolez? Ok. Ok, vous voyez ce que je vois? Moi je vois que c'est la merde, mais bon. On va tenter un truc. Voilà. C'est bon ça. Non mais... Ah, j'ai compris. Cherche pas, cherche pas. Voilà. Je suis juste débile. Je suis juste débile. Et je suis censé aller où là? Parce que je vais me balancer, c'est bien. Il y a des lucioles là, attendez je vais essayer de me jeter là-bas. Ça sent la couille. Ça sent la couille. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on aime finalement? Hop! Voilà! Hop de l'ardoise. C'est superbe, je sais pas où on va mais j'adore. Bon déjà il n'y a pas de méchant ici. Non mais là faut arrêter, non mais là, là faut arrêter, on va où là? Là aussi il y a du poison et un trésor. Il n'y a rien de plus à trouver ici. Là. C'est là que ça va m'intéresser. Bah, il n'y a que dalle en fait. Hein. Il n'y a que dalle. Putain. Enflammé. Je peux encore enflammer. Ouais, j'ai une vingtaine de graisse animale, ça le fait. Là-haut là. J'essaie de faire tous les chemins et de rien louper. Pour qu'on soit vraiment clean et sûr. Voilà, c'est de là qu'on vient là. Là, c'est de là qu'on vient, d'accord. Ok, c'est la sortie là. Très bien. Très très bien. Déjà, ça me rassure à un point, vous pouvez pas imaginer. Là, on a vu. Là, on a vu. Et maintenant, ça descend. Donc, cherchez pas. Il faut qu'on descende. Ok. Impressionnant, 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 c'est gigantesque. C'est gigantesque. On a que dalle ici. On va suivre les lucioles. Oh là, les cascades. Non mais ça s'arrêtera jamais. Bon, la main d'Aïcha est là-bas, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas la main d'Aïcha, c'est la peinture là-bas.
Et là, c'est la pierre d'Aïcha qui est là-bas. Oh mais quel enfer. Ah, ça, ça se casse pas. Très bien. On va aller par là. Non mais... Oh. Ça s'arrêtera donc jamais. Ça s'arrêtera donc jamais. Bon, parlons peu, parlons bien. La main d'Aïcha. Ça c'est fait. Et la peinture rupestre, elle est là-haut. Attends. Ok, j'ai capté. Non, j'ai pas capté. Attendez, je... Ça m'énerve. Voilà, je peux quand même pas envoyer le grappin, d'accord. Un bonheur. Bon, donc j'imagine que ça a été fait exprès pour que je passe par là, alors. Mais ça va où, là? Non, mais stop. Ça part dans tous les sens. Bon, vous m'excuserez, je ramasse pas tout. Allez, là-bas, il y a du poison, donc ça sert à rien d'y aller. Tac. Ouais, ça sert à rien d'y aller. Il faut qu'on trouve une autre soluce. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je maîtrise la situation. On va voir ce qu'il y a là-haut. Si ça se trouve, c'est ça qui va nous aider. Bah là-haut, en fait, c'est de là qu'on vient, de toute façon. De là en bas, ouais. Oui, bah oui, on est là, en fait, ok. Ça nous aide pas beaucoup. Mais au moins, j'ai le cœur net de là où on est. Peut-être ici, je peux envoyer le grappin, non? Ah mais c'est impressionnant. Non, j'ai pas... Il est trop loin. Il est juste trop loin. Faudrait que je puisse... Aïe, aïe, aïe. Ou alors simplement, il faut que je descende. J'ai pas pensé à cette option. Waouh. Oh mais... Il y a trop de trucs. J'adore. En vrai, ça me fait kiffer, ça. Là, peut-être que j'accède. Non, même pas. Alors, par contre, il est hors de question que j'aille dans l'eau. Vraiment, là? On peut rien faire, là? Putain. C'est une dinguerie. Bon, bah, écoutez, il va falloir y aller au culot, alors. Va falloir y aller au culot. Ça marche pas. Ah! Bon, bah, voilà, je suis en bas. Superbe. Oh. Ah mais hé, à tous les coups faut aller dans l'eau quand même. Non, regardez, il y a un passage secret là. Pas du tout. Bah c'est super. Bon, c'est bien, on n'a pas froid dans l'eau, c'est impeccable. Je sors par où là? Le grappin, ça j'ai compris. Oh, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Comment on fait? Je dois pas comprendre un truc, c'est pas possible. Éteindre enflammé. Ah non, je suis juste trop loin, c'est tout. Cherche pas. Bon, j'ai envie de faire une dinguerie et de traverser le truc de poison, mais je vais mourir one shot en fait. Bon, en vrai, il y a moyen de résister. On y va? Yes. Oh la boulette. Non, c'est impossible. C'est juste impossible. Bon, bah, je vois pas. Première grotte qu'on va réussir à inexplorer. Je vais pas te mentir que ça me fait chier parce que... Attendez, regardez. Je suis un petit génie du mal, moi. Vous savez? Je suis un petit génie du mal. Voilà, ça c'est le genre de truc. Ah putain. Non. Pas réussir à me coincer, je vois pas. Ah, ça me saoule. Non, mais je suis quand même pas si teubé que ça, s'il vous plaît. Il y avait un autre passage en vrai là. Là on peut pas grimper plus haut.
Non mais non, mais non, mais non, ça a pas été pensé pour le... Ah, ça m'énerve. Attendez, cette hauteur là elle sert pas à rien. Putain, allez, dernière chance les gars. Regarde, déjà tu peux pas grimper par là, t'as vu, tu peux pas grimper par là. C'est à dire qu'il te pousse à faire le tour pour grimper. Ok, j'ai capté. Ah non, si je peux. Non, je peux pas. Si je peux. Mince. J'avais une théorie. Mais ma théorie est fausse. Aïe 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 aïe. Oh non, on va pas revivre ça encore. Bon. Bah les amis, on va falloir se rendre à l'évidence. Va falloir se rendre à l'évidence. Je dois être complètement bête hein, mais allez, un effort là. Oh là là. J'ai fait plein de compliments sur le jeu et là je me retrouve. Si je cours et saute là, ça c'est un échec là. Oh. Bah non, je peux pas prendre d'élan de là. Avec le grappin, je peux pas prendre d'élan. Aïe 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 aïe. Bon les amis, tant pis. On va sortir, ça va être un échec. Yalla. Allez hein, fallait quand même tenter le grand saut messieurs dames. Maintenant faut grimper, je sais pas comment, par là peut-être grimper. Vous constaterez que je peux utiliser le grappin, ça y est. J'ai tenté hein, il fallait tenter. Je suis pas déçu. Voilà. Ah, je le voulais ce point de compétence, messieurs dames. Et en fait, on serait passé par là, regardez, on serait passé par là avec le poison en fait. On aurait pu. On aurait pu, mais comme je n'ai pas l'antidote pour le poison, et bien voilà. Et bah heureusement que j'ai trouvé une solution, j'ai pris du temps hein. J'ai pris du temps mais voilà. Et là il m'incite à me téléporter, ça veut tout dire hein. Ça veut dire qu'on est bloqué hein, littéralement. Mais moi j'ai envie donc, voilà, explorer. J'ai vraiment envie de faire cette grotte là. Et en plus pour y accéder, il y avait un chemin, regardez. Il y avait un chemin, donc dans tous les cas mon chemin il était débile. Donc on va se TP. On va se TP et on va suivre ce chemin pour accéder à cette fameuse grotte les amis. Bon, on aura globalement tout vu hein, de la grotte malgré tout. Attendez, il y a un événement. J'arrive. Bon, désolé d'avoir pris autant de temps. Vous avez vu que ça a quand même porté ses fruits hein, faut pas baisser les bras. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Merci, bonsoir, j'espère que vous avez kiffé mon aide. Voilà, on va faire la grotte, par contre le soleil se couche. Et je vais pas te mentir qu'on va pas voir grand chose. Par conséquent, j'aurais bien aimé qu'on dorme. Se reposer. Voilà, bon, mon tigre. Il est mort, hein, parce que comme d'habitude, il veut faire son héros tout seul. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même fou. Ça doit être son ego. Hein. Mais bon. Allez. Tac, c'est parti. On se casse. Alors comme d'hab, je ne sais jamais par où sortir ici. J'ai jamais vu d'autre entrée en fait là. Ok. Oh, vous inquiétez pas, il se repose. Ah, par là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça me pète les yeux. Allez. Par ici. Et donc là, bonjour messieurs. Oh, débrouillez-vous. Hein. Débrouillez-vous. Hein. Donc là, on va essayer de suivre le chemin. Le chemin. Attendez. Voilà le chemin. Bah, on passe par là. En plus, il y a un bracelet Wenja. Regardez. Des câbles. Salut. Bon, je crois que je vais le rappeler. Hein. On sera un petit peu plus tranquille si vous voyez ce que je veux dire. Ça va? Ok. Ça y est, on est sur le sort de petit chemin. Heureusement qu'il y a ces petits chemins. Bon, allez, il est encore mort là. Je comprends pas ce qu'il fait. Il fait tout seul, ça m'énerve. Étant du mamaf flâneur. Pas mal. Par contre, le bracelet, s'il est sous l'eau,
Aha. Mais c'est sûr ça, le bracelet est sous l'eau. À moins qu'il est en haut. Tout simplement. Non. Moi j'ai une théorie, mais bon. Est-ce que ça fait fondre ou pas? Oula! Bon bah je vois pas. Allez, ça m'a saoulé là. Comment ça me saoulait ces conneries hein? Vraiment hein? C'est chiant hein? Allez. On va monter, suivre le chemin. On va se faire la grotte et on va s'en arrêter là pour ce long épisode. Toi, tu te tais? Ça va, oui? C'est pas possible. On peut pas être tranquille. Mais c'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. Allez, mesdames et messieurs. Ah, t'es un copain. J'ai failli faire du sale, mec. Oh là 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 là. Bon, normalement, si je suis le chemin. Ah! Mais non, mais le chemin n'a aucun sens. Mais non, mais. Et je vais péter un plomb. Regardez en bas à gauche, je suis sur le chemin, il n'y a plus de chemin. Mais comment tu montes? Comme ça? Jamais de la vie. Ah ouais, non, mais les gars, sincèrement, on dirait que ça fait partie d'une mission et que je peux pas y aller comme ça. Hein. Mais là, il n'y a pas de chemin. Soyons sincères. Peut-être un grappin. Ah, il y a un grappin là, c'est bon. Là, fallait le voir. Hein. Fallait le voir, hein. Allez. Dernière ascension. Et prochain épisode, on arrête avec le nord. On arrête avec le nord, on va aller dans le sud. Hein. On va se réchauffer un petit peu là, justement. On va retourner au village, justement, parler aux collègues. Allez, un petit effort. D'accord. On va parler aux collègues et puis de toute façon ils nous emmèneront au nord à mon avis donc au sud pardon. Justement. Et ouais par là, donc là on passe sur le tronc. Ah, tout... Et alors s'il s'effondrait j'aurais pété derrière. Y'a une main d'Aïcha sur le chemin là? Ou c'est dans la grotte peut-être? Non c'est sûrement dans la grotte. Et là. Hop. Magnifique. Ça c'est le genre de jeu à jouer sans le HUD. Ah là. Magnifique. Bon sans le HUD du coup tu passerais à côté de ces items. Mais ouais, jouer à ce jeu sans HUD, ça doit être un pur bonheur, une pure merveille. Je recommande. Même jouer aux jeux vidéo de manière générale sans HUD quand tu peux te le permettre. Quand il n'y a pas de mission à trouver des trucs sur les cartes. C'est que du bonheur. Alors. On va rappeler ma bête. Qui va mourir dans tous les cas. Grotte du Hogui Buveur. Bonjour, ça boit ici? Ça boit ou quoi? Ok. Attendez, je viens de passer par un chemin. Oh waouh. Je sais pas par où je suis rentré, mais je suis rentré. Hein. J'avoue, j'ai vu de la lumière, je me suis permis d'entrer. Wesh. Pardon. Oh non. Oh j'ai failli Non mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ces grottes bizarres là? Oh. C'est pour moi ça. Superbe. Peau de poisson, croc rouge. Ah bah c'est pas mal. En vrai faut quand même utiliser. Faut quand même trouver les trésors. Parce que même des fois que t'as plus de place ou que c'est des trucs de débiles. Bah des fois voilà c'est des choses assez top. Mince. Attendez, je suis passé là. Non mais attendez, là, je comprends plus rien. Putain. Ça commence à me gaver. Je suis rentré par où là? Parce que il y avait plusieurs entrées. Ah voilà. Oui. C'est ça. Et là ça va où là du coup? Ah bah c'est simplement un cul-de-sac. Non mais là je vais péter un plomb. Ah je vais péter un plomb. Donc c'est bel et bien là qu'il faut aller.
Aïe, en plus ma bête ne peut pas me suivre. Mais tu fais quoi? Allez, fais un effort. Oh là 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 là. Eh ben je sais pas ça va être quoi Far Cry 7, mais on va se régaler. Bon là du coup on descend comment? Comme ça? Ah mais il y avait de la flotte en bas en fait. Ah ouais non mais et les gars oh là. Bon là c'est un aller simple sans retour hein. Parce que là il y a pas de grappin là-haut hein. Bon, hop. Hop. Bonjour. Hop. On évite d'aller dans l'eau hein, pour éviter d'éteindre le feu. Ah ok. Bon bah tant pis. Voilà, on va suivre les lucioles. Les lucioles aquatiques. Ouais, j'avais du poison là. Là j'ai eu chaud là. Mais non mais arrête. Mais ouais, mais aussi. Mais putain. Mais comment je peux savoir qu'il y a du poison? Ah bah je peux pas. Et bien malheureusement je ne pourrai pas avant d'avoir fait la mission justement de notre ami Taïla, juste ici. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Ah j'ai trop le seum. Bon, tant pis. Bah voilà, on a nos limites hein, justement on a nos limites et il va falloir continuer les quêtes principales pour pouvoir débloquer ces fameuses limites évidemment. Bref les amis, un long épisode intense, on a fait quand même pas mal de choses, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu, je compte sur vous, et l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit bien sûr, n'hésitez surtout pas. C'était Mkolo, plein de bisous et à très vite pour la suite de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Allez, ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.